Bonjour à tous, bonjour la team Geekette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc, merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu sur lequel je viens de commencer, Monster Never Cry, pardon. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer comment gérer et récupérer vos comptes au cas où si vous avez plusieurs écrans. Donc moi, ça m'est arrivé et j'ai eu un petit problème pour ça, justement. Donc déjà, avant, première chose à faire, c'est que si jamais vous le souhaitez, vous pouvez m'inviter, voilà, ici, avant le level 30. Donc c'est-à-dire que vous collez ce code ici, dans le menu qui est là, donc vous avez bonus, vous avez tout au fond. Dans un vita code, voilà, vous prenez le code qui est là, vous le copiez et vous le mettez à l'intérieur de votre champ. Comme ça, vous et moi, nous pourrons avoir toutes ces récompenses. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous disais, oui, j'ai eu un problème. J'ai commencé à jouer, j'ai perdu mon compte et j'avais plus à les récupérer. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire pour pouvoir avoir votre compte et récupérer votre compte. Donc déjà ici, vous venez ici, vous dites sur Blink ta compte. Sur Blink ta compte, c'est que vous connectez votre compte. Vous venez ici, vous connectez soit Google ou soit Facebook. Donc là, il n'y aura pas de souci, vous choisissez lequel vous voulez. Une fois que c'est connecté, vous êtes tranquille. Première fois. Si vous êtes comme moi, que vous avez votre compte sur téléphone et que vous voulez les récupérer sur émulateur, un exemple, ou alors sur un autre téléphone, il faut venir ici sur Setting, sur User Center. Voilà, ça crée un lien. Et vous venez ici sur Swift. Vous cliquez là-dessus. Voilà, et vous sélectionnez l'autre compte. Voilà. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le compte que vous souhaitez. Ça se peut que il y ait écrit « Confirmer ce côté droit ». Il faut cliquer sur le côté droit. Et je crois que c'est parce que j'étais déjà connecté à l'autre compte, en fait. Donc, j'ai cliqué là-dessus. Il y avait un contrôle à côté et à droite « Confirmer ». J'ai cliqué sur « Confirmer ». Il m'a demandé de choisir mon nouveau compte. J'ai choisi mon nouveau compte. Et maintenant, je suis connecté. Et j'ai pu récupérer tout mon compte. Donc, ça fait super plaisir. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.